Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve pour une vidéo sur Star Citizen, mais les amis, avant toute chose, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. Cette vidéo est là pour aider tous les nouveaux de Star Citizen, donc en tout cas un grand merci à tous ceux qui le feront. Par la même occasion, les amis, dans la description, il y a deux Discord, donc un Discord communautaire qui est ouvert à tout le monde pour qu'on crée une communauté multigaming, tout simplement autour du multigaming, voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc j'ai une petite communauté qui est en train de se créer, bah vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté. Pour le Discord de la DG Team, Star Citizen, la corporation, donc elle recrute toujours, même si on contrôle un peu plus les accès, elle recrute toujours du monde, voilà. On cherche du monde sérieux, des gens qui sont prêts à s'investir dans le long terme. Sur Star Citizen, bien entendu, comme je vous dis à chaque fois, on sait tous qu'on a une vie à côté, qu'on a des trucs à faire à côté, donc on peut pas non plus être H24 in-game, ce qui est compréhensible, les amis, d'accord. Mais que vous soyez solo ou en groupe, ou que vous soyez nouveau ou vétéran, la DG Team recrute tant que vous êtes quelqu'un de sérieux. Dernier petit truc, les amis, il y a mon code de parrainage en bas de la description. Donc, pour tous les nouveaux comptes qui créent un compte RSI, donc là, ça s'adresse en particulièrement à vous, bah, vous pouvez le mettre et ça vous fait gagner 5000 AEC en plus à chaque mise à jour. À savoir que, par les temps qui courent, c'est très important, mais vu comme je vous disais, cette vidéo est en grande partie faite pour vous, si vous voulez bien le mettre, je vous en serai très reconnaissant. Donc les amis, on va se retrouver du coup pour la vidéo. Donc la vidéo consiste à vous faire un petit guide du débutant. Voilà pourquoi je suis à AWLP. Donc normalement vous spawnez avec 10, 15 000 voire 20 000 AUEC. Et si vous faites le tuto du départ, vous gagnez des AUEC en plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Même si vous connaissez le jeu, ça peut toujours vous faire gagner des AUEC en plus. Et en plus, si vous avez mis mon code parrainage, vous gagnez 5000 AUEC en plus. Donc cette vidéo est un guide du débutant pour la 3.24. Donc ça va être une vidéo assez complexe. Donc je vais essayer d'être concis dans ce que je vais dire. Et vous, bah, j'espère en tout cas que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, les amis. Donc du coup, on se retrouve dans une station. Donc, peu importe la station, là, je crois qu'on est sûr. Et Virus Arbor. C'est ça. Mais en gros, peu importe la station, moi-même, ce que je vous conseille, les amis, directement, d'accord, c'est de spawn dans une ville et de monter directement à la station. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de se faire un stuff dans une station que dans la ville. Du coup, les amis, j'ai, avant de commencer par les armures, ou toute autre chose. Je vous conseille du coup pour les starter packs. Donc ça dépend les starter packs, bien entendu. Donc les game packages. Donc on se retrouve vite fait sur le site pour vous faire un petit débrief de ce que moi je trouve bien et selon le ce que vous voulez entamer dans Star Citizen, le chemin que vous voulez suivre ou tout simplement votre budget, voilà, parce que c'est vrai que Star Citizen demande un petit budget, plutôt même un gros budget, surtout qu'avec les vaisseaux du départ, vous serez quand même assez limité. Vous pouvez toujours faire des trucs, hein, in-game, jouer in-game, hein, et vous développer, mais comment dire, ça sera plus compliqué de se développer, par exemple, avec un Aurora, plutôt qu'un Constellation. Plusieurs raisons basiques. Du coup, les amis, donc moi, je conseille toujours trois vaisseaux, d'accord. Enfin, il y a même un quatrième qui se met dans le lot. Mais ce que je conseille vraiment à fond, c'est même pas le Avenger Titan. Je le conseille, on va dire entre guillemets, oui, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Moi, mon préféré, lequel je commence tout le temps, c'est le Cutter 66€. Voilà, c'est un vaisseau qui a un petit peu de soute, qui se débrouille pas mal. Forcément, vous n'allez pas faire du PVP avec ça, mais avec quasiment aucun d'entre eux, vous allez pouvoir faire du PVP, à part quelques-uns qui se débrouilleront, bien entendu, un peu plus que les autres. Mais autrement,
Voilà, ils sont tous à peu près équivalents. Il y a juste par exemple l'Arrow, forcément il est fait pour fight. L'Avenger Titan, il est aussi un petit peu fait pour ce fight. Le Mustang aussi. Le Cutlass, il se démerde. Il touche sa vie, quoi, on va dire. Mais voilà, du coup, moi je vous conseille. Je vous conseille trois vaisseaux. Bien entendu, c'est trois vaisseaux qui sont à peu près multifonctions. Qui sont pas comme le Mustang, juste le fight. Ou comme un autre, juste la cargaison. Enfin, voilà. Donc, je vous conseille le Cutlass Black. Mais ça, c'est avec un budget un peu plus élevé. D'accord? À savoir que c'est un package. Donc, ça veut dire qu'il y a des trucs dedans. Donc, je vous laisserai vérifier vous-même. Là, je sais que c'est armure plus vaisseau. Et plus un skin de vaisseau. Le Nomade, voilà, qui est pas dégueu. Qui peut vous aider dans votre avance dans Star Citizen. Surtout que là, il y a une bonne petite promo. Donc, c'est. Ça va, c'est assez intéressant. Et bien entendu, le cutter. Donc, voilà. Faut aller dans ces game package. Moi, je vous conseille trois game package. Après, c'est libre à vous de faire votre choix. Et surtout, la direction dans laquelle vous voulez aller. Parce que, forcément, si vous prenez un Aurora pour aller faire du fight, vous allez vite comprendre que ce n'est pas fait pour ça. Après. On va dire, même si peu importe la direction, en vrai, c'est juste pour vous faire de l'argent in-game, pour que vous puissiez acheter de nouveaux vaisseaux, et ainsi de suite. Du coup, on se retrouve in-game, les amis. Donc, nous revoici in-game, les amis. Du coup, on va commencer tout de suite par faire l'armure. Donc, fais pas attention, d'accord, à l'argent que j'ai. On va commencer avec, comme si on faisait un achat pour du... 10, allez, 20 000 AUE, c'est max. Parce qu'il me semble que on peut aller plus haut, mais on va prendre 20 000. C'est beaucoup plus rentable pour la vidéo. Du coup, pour la vidéo, donc à savoir que moi j'aurais bien aimé vous faire prendre des armures Morozov. Morozov, pourquoi armure Morozov? C'est les armures qui coûtent le plus cher. Entre guillemets. Hein. Donc. On va les prendre, parce que pourquoi on va les prendre? Vous allez vite comprendre. Tac, on va prendre le torse aussi, qui est à 9 000. Donc là, c'est. Il y a quasiment tout qui vient de partir dans la. Il y a quasiment tout qui va partir dans l'armure. Mais c'est pas grave, les amis. D'accord? Ne vous enchaînez pas. Là, pas besoin de prendre un casque Morozov. Parce qu'on voit très bien que ça coûte 7 900. Et que si vous commencez par ça, vous aurez vraiment plus rien. Donc, achetez un casque Oracle. D'accord? Un casque Oracle, c'est celui avec les yeux rouges. Les jambières, c'est pas très important, mais elles sont pas très chères, donc on peut les bailler. 4 300, on est encore dans nos coups, d'accord, les amis? Hop, sac à dos. On va prendre le gris. Bah, il y a 2 400, donc on prend les Morozov. Donc là, du coup, vous avez, si on suit la logique, vous avez normalement un inventaire. Complet. Enfin, un inventaire. Donc, moi, j'ai pas envie de prendre du coup. Hop. Normalement, même, on avait un casque, mais autant en prendre un autre. Hop. Donc, là, vous vous équipez de votre armure. Bien, je prends la bonne armure, parce que même moi, c'est l'armure que je prends tout le temps quasiment. Donc, là, vous voyez qu'on est bien, équipé. Donc, c'est quasiment parfait. Donc, si on fait le compte, on va arriver quasiment aux 20 000, aux 20 000 AUEC, dans quelques milliers d'AUEC. Donc, on va prendre le Arc Light. Donc voilà pourquoi on va faire des économies. C'est là, maintenant, là, hein, pour faire des économies. Donc, arme, tac, on va prendre le S38 pistolet, je pense. Donc, on le prend. Il coûte 800. C'est vraiment que dalle. S38. Mais par contre, j'aurais bien aimé avoir les munitions du S38. Ah, putain, j'espère que c'est pas que. Alors, je vais vérifier. Arc. Ah, non. Ok. Ouais. Alors, si je fais S38. Ok, c'est bon, parfait. Du coup, ouais, fallait juste mettre la catégorie dans tout.
Donc là, on achète une. Allez, 31 chargeurs. Donc là, ça vous coûte que 300. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est que dalle. Même là, tout réuni, ça a quasiment pas coûté plus de 1000 balles. D'accord? Donc, là, normalement, on devrait être pas dégueu. Donc, on va prendre le S38. On va le mettre dans notre petit truc. Munitions. Hop. Et là, du coup, on charge les munitions sur la veste. Donc, il y a un truc aussi très important que j'ai oublié de vous dire de prendre. J'ai le petit freeze, ça me chagrine un peu. Hop. Vous allez dans. Normalement, consommable. Donc, les mêmes peines, vous en prenez une dizaine. Voilà, ça coûte 1000, 1100 maintenant parce que j'étais un rond. Mais vous en prenez 11. Tac. Parce que ça, c'est ce qui vous sauvera à la vie au départ. Tac. Donc là, vous allez dans. Je pense. Non. Comment ça? Utilité? Bon. On a pris 11. Tac, 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 tac. Donc, à la même occasion, là je vais prendre pour éviter que ça j'aille à l'entrepôt. Mais vous prenez un multitude pyro, ça coûte vraiment que dalle. Et au pire des cas, si vous en prenez pas, c'est pas très grave. Parce que vous pourrez toujours en loot sur zone. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais sortir le vaisseau, donc le cutter. Et on se retrouve dès que j'ai pris mon envol. Ok les amis, donc j'ai dû, excusez-moi, m'éloigner un petit peu plus et prendre une mission. Tout simplement parce qu'il y avait l'event Blocked Runner sur une station. Et vous savez très bien que il y a des anti-quantum pour tout simplement m'empêcher de partir. Donc j'ai dû improviser. Donc les amis, donc pour les missions, vous allez dans contrat, offre, mercenaire. Et là, vous choisissez ce que vous avez à choisir. Forcément, moi, ma mission va rapporter plus. Parce que, comme un con, bah, mon grade est beaucoup plus haut et élevé que vous qui commencez le jeu. Mais en tout cas, voilà, ça sachez que ça va. Bon, ça va. J'ai cru qu'il m'avait suivi le vaisseau. Mais ouais, du coup, vous, oui, ça prendra un petit peu plus de temps que moi pour vous faire des tuiles. Là, par exemple, je vais rembourser clairement tout ce que j'ai acheté pour une mission. À savoir que, attention, vous, c'est le plus, je crois que c'est. Vous allez commencer du 9, 10 ou 17 000, hein, tout dans le genre. Mais voilà, vous allez vous faire du poignon. J'espère juste que c'est pas une mission illégale. Parce que là, j'ai pris une assez grosse mission quand même, c'est en train de distribuer, donc pas non plus de la merde. Donc j'espère juste que si je me cale. Par hors la loi, entrer sur le territoire contrôlé par honneur à la loi. Est-ce que ça veut dire que mes étoiles me tirent dessus ou pas? Oui. Est-ce que le problème? Là. C'est pour le rêve, parce que je vais le faire, c'est parce que j'ai eu une mission dès le départ. Ouais, où je pourrais me poser. Tac, 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 tac. Alors, je reviens vers vous dès que j'atterris, les amis. Alors, je vais juste vous reprendre rapidement, parce que c'est quand même très important. Je me suis foutu juste là. Donc, à savoir que c'est vaut mieux se mettre assez loin et mettre
5 minutes pour y aller en courant, plutôt que essayer de tenter le risque et de se faire péter, d'accord les amis? Donc moi je vous conseille vraiment, voilà, pas prendre de risque, vous mettre à une bonne distance comme celle-là, là, 1005 km, 1007, voire être tranquille. Parce que comme vous pouvez le voir, regarde, on voit encore l'étoile qui tire d'ailleurs sur les rochers. J'ai pas envie, on n'a pas un vaisseau adéquat au début pour gérer ça, donc il vaut mieux faire ça comme ça et ne pas avoir de problème. Du coup les amis, on se retrouve dès que j'arrive sur zone. Donc les amis, nous voici du coup devant les devant notre mission. Donc en fait, vous comprenez maintenant quoi les amis, je vais vous prendre une armure assez solide. Bon, ah, au bout là-bas, il n'y en a pas un là. Nous, ce qu'on va faire, bon, c'est déjà d'abord. J'ai entendu un PNJ, j'avoue que ça m'a mis un peu de pression. Donc, alors, hop, on va commencer par récupérer son arme. Ça, bien entendu, on prend. Et hop, on rentre sa grosse. Tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner tout de suite. Hop, comme ça. On n'aura pas de problème. Donc pour les touches, bien entendu, je vous laisserai vous-même gérer ce que vous devez faire et ce que vous devez mettre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est chacun ses touches in-game. Et ça, de toute façon, c'est un truc un peu naturel à tous. En fait, on fait chacun notre. Parce qu'on voit mieux, hein, tout simplement. Moi, c'est un tout petit peu plus tendu qu'avant, parce que avant, c'était plus. Mais ça serait facile de faire ces missions. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit peu tendu. Donc, là aussi, un jour. Fasse gaffe parce que dès que je trouve une arme qui pourrait être comme la mienne, je crois que j'hésite à prendre les munitions quoi.
plein mec. Allez, les gars. Let's go. Ok. Ok. Déjà, vous avez vu le nombre de morts que... qu'on fait et ça respawn apparemment. Je sais pas si ça reste. Il y a un ici. Ah, c'est quoi comme arme? Drama, ok. Ah, faire vraiment attention à ce qui spawn comme arme, mais du coup. Le mec il se situe dessus? Attends. Les amis, donc du coup on se retrouve pour la dernière étape normalement de notre mission. On arrive au niveau des élévateurs, vous savez, au fond du centre de distribution qui vous emmène sur quasiment le toit de du bâtiment. Donc là du coup il vous restera plus qu'à aller. Oh là 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 là. Oh, je viens de prendre tarif et j'ai 3 T3, hein, donc what? Je vais tirer de si loin de ça là. Ah non, ils sont plus solides, hein. Ah, ils m'ont pris en gambang, ces enfants. Hop.
Plague. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud pour time. Au moins, je me casse les couilles. Par contre, je vais prendre vraiment me droguer. Si je dois en tuer un pour 10 trucs, ça va être compliqué, hein. Comme ça parce que leur système est trop fort. Et puis j'ai pris au bord des lags de fou là dessus. C'est pas le jeu ce qui se passe. Donc est-ce que là tu peux passer là sans me faire tirer dessus ou... This gag slipped me. We can't let him get away. Ok, donc là, ok. Bon frérot. Voilà. Pas de mal, là, je connais. On va jouer la sécu. Je vous conseille aussi d'ailleurs les amis. Alors là. On va foutre full. Après, toute personne qui gère un minimum le FPS est capable de les faire. Hein. C'est pour ça aussi que Après celle-là, c'est une grosse mission, je le redis. Et pas une petite mission. Hein? On purifie quand même. On a vu le chargeur et là du coup on va dans la suite. Le petit coup. Été. Et du coup, en plus, par la même occasion, pour ceux qui que ça intéresse, pour la fin de cette vidéo, les amis, c'est une grosse armure qu'il a. Donc forcément, bon, vous avez quand même vu qu'il fallait une armure assez grosse quand même, hein, pour réussir à résister aux grosses missions. Mais comme je vous dis, c'est des grosses missions. Là, je vous ai montré l'extrême de ce que vous allez croiser, vous, en faisant ces missions, d'accord? On soit bien d'accord. Normalement, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous devrez entendre ma voix avant d'écrire un commentaire quelconque. Donc, bah voilà, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo, enfin, cette grande vidéo sur un guide de débutant. Si vous voulez, les amis, on pourra en refaire quelques-unes. J'ai quelques idées à vous donner pour vous faire de l'argent in-game. Donc, pour ceux que ça intéresse de savoir comment se faire du pognon, comment tout simplement avancer quand c'est débutant, trouver un objectif de jeu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai ça très rapidement sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, on n'oublie pas de lâcher son abonnement, le petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.